Bonjour à tous, je suis avec mon Bonjour. ami Martial ici présent, un ami à moi du Crêpes de Montpellier qui m'est cher et j'avais envie du coup de l'interviewer sur ce podcast. Il a énormément d'expérience à nous apporter, des anecdotes de folie et nos expériences. On va parler de notre expérience passée ensemble. Alors, on va parler du sujet du renforcement musculaire, du développement athlétique, comment on voit le coaching aujourd'hui, les erreurs qu'on a commises, les mythes qu'on a pu débunker par le passé et grâce à nos expériences actuelles. Et donc, je vous présente Martial Rexage. Il a bien dit, alors ce micro a Rexage. décidé que je faisais 1,20 m par contre, donc je le fais mentir incessamment sous peu. Voilà, c'est fait. Martialito, hein, sur Instagram. Martialito, Muscu Show 40. Voilà, Salut les Muscu Show amis. 40. Merci Dodo de l'invitation. Je plussoie tout ce que tu as dit. Plussoie, ça se dit pas assez déjà. Ouais, non, mais plus ça, Voilà. c'est un super mot. Faut le dire. Ça fait plaisir de revoir un ancien camarade du Krebs. Carrément, Qu'on carrément. ait des trajectoires différentes et un peu similaires en même temps. Donc on C'est aura vrai. l'occasion d'en D'en parler. discuter, ouais. Et de se Exactement. retrouver sur des thématiques Qui nous est d'entraînement qui nous cher. sont bien chères. Exactement. Exactement. Ok, Martial, du coup, le premier thème qu'on va aborder, c'est la façon de comment on s'est rencontrés et surtout la façon, la manière du fait qu'on est connectés ensemble. Yes, c'est de belles expériences, de beaux souvenirs. Krebs Montpellier. Krebs Montpellier. Krebs Montpellier, 2015-2016, ça ne nous rajeunit pas tout ça. 2015-2016, exactement. Je me rappelle du fait d'avoir bien matché, bien connecté avec toi, parce que je m'étais retrouvé dans le fait d'avoir grandi, vécu dans un village, C'est vrai. et tout ce qui incombe le village, du coup, les raps, les foot à C'est l'extérieur, ça, tout c'est ça. ça, Et c'est donc, du coup, ça. c'est vrai qu'on a pu se retrouver dans ça, grave, à fond. Carrément le côté village, ça, c'est vrai que ça a aidé, surtout Montpellier qui est un peu la grande ville, hein, c'est un Ouais. peu notre Paris à nous, Oui, clairement. c'était clairement C'est ça, clairement ça. Déjà, ouais. Béziers, ça fait un peu paille ou à Montpellier. Donc après, quand tu viens de 40 ou de Balaruc, c'est Ouais. vrai que voilà. Puis on est des gars sociables, on est des gars. Enfin, je pense que c'est l'image qu'on envoie aussi. On a souvent le sourire, on a de bonnes énergies, de Carrément. bonnes vibes. Et je pense que le bien attire le bien. Donc voilà, on a sympathisé. Moi, je t'avais quand même remarqué sur tes putains de 18 reps à 100 au coucher quand même. Moi, j'étais là, c'était deux au bout de ma life. Et le gars, il me mettait 16 reps et super humble et tout. Genre, ah, j'ai pas la 19e, je suis deg. Je me Il rappelle. faisait 70 kilos, le gars, c'était tort tank. Mais voilà, ça m'a aidé déjà dès le début. Ouais. Et autre chose, du coup, qui m'avait marqué, c'est que tu faisais partie des premières personnes que j'ai pu voir qui suivaient une diète. Ok. Genre, qui mangeaient Oui, c'est vrai équilibré que. et tout, ça m'avait Ouais. marqué, ça. C'est vrai que pour remettre dans le contexte, du coup, vraiment à l'époque, on était vraiment orienté sur le body. Il y avait une espèce de noyau, entre guillemets, qui De s'était fou! formé De fou. avec les personnes qui étaient exactement dans le même thème, schéma. C'est Je pense ça. notamment, du coup, à Cédric, Morad, Ouais. On les embrasse, on les embrasse. Bastien, Mehdi, Ouais, bisous à putain. vous. Et ouais, du coup, on était vraiment dans ce format-là. Et ouais, comme tu dis, ben, nous, on était sur des diets, et tout ça nous a permis De de connecter. connecter, avoir deux mondes différents. Ah oui, Et complètement. ben, finalement, Ça l'a fait. ça a bien matché, quoi, du coup. Mais de fou. Et en plus, enfin, moi, ce qui m'a marqué, c'est que on peut le dire, on partage une passion. Et quand vous arrivez, que vous passez le diplôme de coach, t'arrives et en fait, tu te dis quoi? Tu te dis, ah, mais lui, il fait comme moi, il fait comme moi. Et en Ouais. fait, quelque chose qui est exceptionnel dans la vie normale, Ouais, dans la carrément. vie civile, c'est devient quelque chose de totalement normal. Hein, donc, de voir des gens qui mangent comme toi, qui s'entraînent comme toi, qui vibrent pour la muscu, qui ont les mêmes centres d'intérêt et tout. Et puis, la passion, voilà, de l'entraînement, aimer souffrir, aimer repousser ses limites, ça, c'est quelque chose qui nous a connecté C'est aussi, vrai, quoi. c'est Ça, vrai. c'était vraiment cool. C'est vrai que le fait d'être passionné, du coup, et de voir, en fait, un contexte autour de nous où il y a des personnes qui ont exactement la même passion que nous Ouais, voilà. qui ont cette culture de vouloir s'entraîner, de Ça. se sentir bien, de se remettre en forme et tout. Et Carrément. c'était plus ou moins, comme tu le dis, exceptionnel, moi, dans mon village, entre guillemets, Ben ouais. et sûrement dans le tien aussi. Et je dis, Pareil. Ouais, puis les les... amitiés se sont faites, ce qui C'est était ça. bien, On notre avait une génération. bonne promo quand même, une Alors, belle promo. franchement, je veux pas dire et tout, vous pouvez aller voir Ludo Gavira et tout ça que j'embrasse d'ailleurs. Franchement, on était une des promos, il y avait le moins de tensions. Les générations d'avant, il y avait des tensions entre les forceux, Forcément. les haltéros, tout ça et Ouais. tout. Et moi, c'est vrai que dans le diplôme force, ben, enfin là, c'est un diplôme culturisme en fait. C'est-à-dire que tu as les options et tout Parce qu'à ça. l'époque, faut savoir que du coup, nous, on a passé un BPJEPS, C'est ça. il fallait du coup choisir entre l'option forme et l'option C'est force. ça. Il y avait une grosse promo qui était scindée en deux, Ouais. entre ceux qui faisaient uniquement, on va dire, des cours collectifs. Et les autres qui passaient la plupart de leur temps sur les plateaux muscu avec tous C'est les clichés ça. qui vont avec. Ouais. T'es en train de forcer. Yeah, buddy! Voilà. Avec la barre sur le dos. Et voilà, tu vois. Donc, c'était vraiment l'une des. On va dire, enfin, pour moi, c'était. Moi, j'étais dans mon environnement et Moi je me aussi. sentais tellement bien dans cet environnement que Clairement. j'y. Moi j'y baigne et j'y retourne quand. Ah ouais, Enfin, moi, carrément. que là, on me dit, viens, on refait comme ça. On Je dis,
fait d'années comme ça, on refait, genre, juste pour vivre et tout, je le fais. Et ce qui m'a marqué, c'est que moi, après, du coup, je me suis jamais considéré comme un bodybuilder, attention. Mais par contre, j'avais l'approche, qu'est-ce qui me motivait pour aller dans une salle? C'était le côté culturisme, on va en parler plus tard. Et puis, t'avais aussi cette, on va dire, ces informations et cette culture sur les anciens bodybuilders, ouais, qui fou, aussi, du coup, moi, j'avais ma team aussi pas mal avec ça, tu vois. De la Golden Era. La Golden Era, tu te rappelles pas, Platt, je crois Zane. Que c'est toi qui m'avais sorti des magazines. Oui, j'en ai encore. Exact. Et ça en avait des matières, ça. Moi, la muscu, je suis tombé dedans parce que mon père, il avait l'approche vraiment culto à fond, même s'il n'avait pas fait de scène et tout. C'est les revues. Donc, moi, je connaissais les Serge Nubré, je connaissais les Frank Zane, je connaissais les Colombou, évidemment, Schwarzy, Platt. Et putain, et Dodo il arrive, nous on a moins de 30 ans et on parle de mecs qui en ont maintenant 70 aujourd'hui. Donc déjà, ça, c'est vrai que ça rajoute un truc, c'était des putains de physiques. Ouais, puis on était d'accord sur le fait que voilà, c'était la belle époque, c'est quelque chose de fou et que ces mecs ils avaient plus ou moins tout compris alors qu'ils n'avaient pas toute la science qu'on a aujourd'hui. Non, c'est ça, c'était beaucoup d'instinct, beaucoup de pratique. Voilà, là on est à l'ère un peu des RPE, justement, voilà, comme tu disais, la gestion d'effort, le rapport optimal entre vraiment le signal, donc l'entraînement, la destruction et la reconstruction, essayer de trouver le meilleur rapport. Eux, par contre, ça s'envoyait des bûches sur la gueule, quoi. Comme certains, ils ont besoin de voir des gladiators avant de rentrer faire un match de rugby. Nous, on regardait ça. Là, tout à l'heure, on a fait une séance. Tu m'as mis les musiques de l'époque, là, les pushes, tout le limite et compagnie. Let's go, quoi. Donc ça donne, c'est vrai, une vraie énergie, ouais. Carrément. Vraie envie de se battre. Comme vous l'a dit, on a eu cette année, du coup, ensemble. C'est ça. Où on a énormément, du coup, appris des choses. Avec, il y avait beaucoup de professionnels, du coup. Des experts. Des experts, voilà, clairement, dans leur domaine, qui sont venus nous transmettre leur savoir. Des mecs qui font IFBB, des préparateurs de gars qui font les JO. On avait vraiment, même les cours comme ils étaient faits, vraiment. C'était, moi, je me rappelle le cours de Ludo, 2 heures en salle et ensuite 2 heures en cours. Il y avait toujours de la pratique, on se mettait sur la gueule, on allait sur du squat, le matin à 8h on se le fait. Mais oui, et tu te rappelles un truc? Un jour, Ludo, il avait dit quoi? Il avait dit, pour vous, un débutant, c'est quoi la bonne intensité? 10 de 12, 10 de 15 RM et tout. On fait le truc, et après, il dit, ok, on va tester, quoi. Et même un 10 de 15 RM sur le papier, c'est pas sexy, mais fais-le en 4x10 avec une 32 récup. Sur 4 séries, tu le sens passer, le bordel. Et c'est là que c'est important de passer sous la barre, parce que quand tu planifies, tu es ton premier élève et tu peux être en empathie après la personne. Exact. Et d'où le fait, alors on va dire peut-être le fameux 10x10, qui est infaisable. Complètement. Qui est infaisable avec le temps de repos, le pourcentage d'effort. Oui. Il est clairement infaisable. Et ça a été quand même une grande, on va dire, une des planifications, des programmations qui était énormément à la mode lorsque nous on a intégré le CREPS et même avant, j'allais dire, complètement. Et qui était complètement décousu en termes d'intensité, en termes de faisabilité de la programmation. Ludique, le mot il est peut-être ludique, un peu fort, mais pourri. Putain, le 10x10, quoi. Rien que de le dire, je suis fatigué. C'est chiant. Surtout comme tu disais, comme il est prescrit et comme il est donné. Moi j'ai connu ça, tu veux faire de la force, boum, 5x5. Tu veux faire de la force, boum, 10x10. Et ça allait pas plus loin. Beaucoup de frustration parce que tu rentres pas le truc, tu sais pas si t'es dans la bonne intensité, etc. Et tout. Et grâce au CREPS, on a trouvé des alternatives. Une ouverture d'esprit différente, des horizons différents, complètement. On se complétait aussi dans le sens où on avait tous des expériences passées. Et du coup, je voulais rebondir sur ça. Qu'est-ce qui a fait que, du coup, tu t'es mis, toi, à la salle de sport? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du renforcement musculaire? Alors, c'est une très bonne question parce qu'on ne me la pose pas beaucoup, en fait. Alors que, justement, en tant que coach, c'est vrai que c'est une question qu'on pourrait pas mal me poser. Moi, c'est très simple, c'est l'aspect esthétique. C'est-à-dire que moi, déjà, comme je disais, j'ai grandi dans cet environnement avec mon père qui faisait de la musculation avec un côté, on va dire, culturisme, culte du corps. Et moi, j'étais très grand très tôt. Je faisais déjà 1m90 à 14 ans. Donc, tu vois vraiment, on va dire, un côté très longiligne qui faisait que, en plus, au niveau postural, des douleurs en bas du dos, un peu syphose en haut, hyperlordose en bas, rien qui va, quoi. Je voulais un peu prendre les devants, quoi. J'aimais pas, tu sais, le fait de subir la vie, tu vois, et ces changements qui arrivaient. Donc je me suis dit non, là mon corps me convient pas, donc j'ai envie de changer. Donc j'ai commencé, je peux le dire aujourd'hui, je voulais faire un truc un peu différent de mon père, tu vois. Je voulais pas marcher sur ses traces je commençais beaucoup sur du poids de corps, de l'endurance, mais après vraiment je me mets dans la muscu. Malheureusement, c'est au décès de mon père, c'est en faisant les affaires, le tri des affaires. Et 2013, là c'est vraiment l'année où on regroupe un peu le matos, on se crée une salle à part et on commence à pousser. Donc un peu le côté rendre hommage, mais surtout le côté d'être fier de son corps, quoi,
de surtout quand t'es grand, que des fois t'attires l'attention, tu sais, c'était pas proportionné, ça, voilà, ça peut marquer. Avoir, ouais. Ce qui est bien, du coup, on en parlera certainement après, du coup, de la structure que Marseille l'a montée. Un truc vraiment hyper convivial, hyper chaleureux. Merci, mon gars. Et avec lequel il maîtrise à la baguette parfaitement toutes les programmations du coup, le prochain épisode sera fait certainement, du coup. Ah, mais c'est même sûr. Il y aura le match retour. Là, on a été reçus comme des rois, franchement. Entraînement de fou malade sur vraiment le physique athlétique, on y reviendra. Ouais. Des lasagnes épinards, saumon, incroyable. Incroyable, fantastique. Je rebondis aussi sur le fait que tu as dit que c'était par rapport à la silhouette, au fait d'améliorer ce renforcement musculaire. Je m'y retrouve complètement aussi. Ouais, j'allais te demander, toi, ce que c'est. Parce que dans le sens, moi, j'ai été de base très, très mince. Petit de base, ouais. Donc quand t'es fin, que t'es petit, t'as toujours plus ou moins, tu vois, cette sensation entre guillemets de pas être, de pas prendre assez de place, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, en voyant grand, je vois le côté justement que je prenais une place qui me correspondait pas. Ouais. Mais c'est vrai que petit fin, bah, limite tu te dis j'existe pas, quoi. T'as moins d'assurance, ouais. T'es moins confiant. Ouais. Et puis ça joue aussi dans ta vie de tous les jours, dans le sens où si t'es pas confiant, bah, tu prends pas d'initiative. C'est ça. Tu te mets pas en avant. Et finalement, tu rates peut-être des opportunités, des occasions. Complètement. Donc ça, c'est hyper important. Autre que le fait de se sentir bien dans son corps, c'est clairement bien dans sa tête. Et j'avais aussi grandi dans les années 90. Les mangas. C'est vrai. Les Schwarzy, les Jean-Claude Van Damme. Oh, je l'ai pensé, celle-là. Eagle Lance, incroyable. Avec Tempo qui tape dans le truc. Bref, et du coup, je m'étais plus ou moins identifié. Sangoku, c'est vrai que c'est un référent muscle pendant une génération. J'avais pas pensé sur Sangoku. Sangoku, Vegeta. Ouais, truc tout ça, fou, ouais. Les pompes dans la salle du temps. Putain. Ouais, la culture des BZ. Ouais, mais moi, j'étais à fond dans ça. Et du coup, je me disais, attends, tu kiffes ça? Pourquoi t'es attiré par ça? Parce qu'il y a quand même ce côté, la prestance, le physique, le fait que le mec se sente bien dans sa peau. C'est vrai. Tu vois? Et du coup, ça a été plus ou moins des repères, des mentors, on va dire, même si t'as jamais eu de contact avec eux, ça t'inspire. Et une boussole. Ouais, voilà, ouais. Ça t'inspire complètement. Bien sûr. Et du coup, c'est bien parce que nous, maintenant, on a acquis certains résultats, certaines performances. Et si on peut avoir la même influence sur les personnes qui sont à la recherche peut-être de cette confiance, de cette évolution et tout, ça peut être toujours intéressant d'avoir un repère. Et c'est vrai que j'en avais pas forcément dans ce domaine-là. Mm. Au moment où moi, j'ai commencé la salle, j'ai commencé assez tôt avec la méthode d'Afé, d'ailleurs. Ah, sombre bâtard, celui-là. Désolé pour l'insulte, je suis un peu cru, des fois. J'avais éclaté de chaise. Alors, du coup, on va revenir sur le fait pourquoi c'est un bâtard. Mais moi, je suis d'accord. Hein. Non, honnêtement, je déteste tout côté sectaire excluant. Ouais. Et avec Dorian, on déteste, en fait, quand on dit cet outil n'est pas le bon outil. Ouais. Quand c'est très, justement, manichéen dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire, il faut faire ça pour que ça marche, il faut surtout pas faire ça. Dans la méthode d'Afé, hormis le côté obscur, qu'on sait pas qui c'est ce peintre-là. Pas qui c'est. Mais moi, ce qui me dérange, c'est le côté de dire, en gros, il y a le principe de surcharge progressive, etc. Mais de garder uniquement le poids de corps. Oui, c'est vrai. À l'époque où c'était sorti, je crois que c'était 2007. Oh, c'est vieux. Conneries. C'est vieux. 2007-2008, peut-être. Vieux. Tu connais pas, toi, on verra. La méthode de la fête. La méthode de la... Sur le tome, le monteur, le cinématographe, le vidéaste. Merci à lui, d'ailleurs. Merci à lui. Pas pour ses claquettes chaussettes, mais pour le reste. C'est vrai que la méthode de la fête, ça a été le pied à l'étrier pour moi, dans le côté physique. Et j'en ai ressorti du bon au niveau, physique. Je me suis vu évoluer. Et après, j'ai très vite lâché. Et j'ai acheté une machine. Pour mes 18 ans, j'avais demandé une machine de sport à chez moi. De Mongol complet, genre. Ouais, non, des entraînements ça. Pendant 2h30. On ne jugera jamais, les gars. moi, je ne jugerai jamais quelqu'un qui s'entraîne mal et tout. Parce que justement, on est passé par là, que ce soit dans moi. D'ailleurs, on en parlait en off, mais on n'avait pas forcément de nos référents. C'était des référents fiction. Ça veut dire que c'était des personnages, exact, des acteurs. Exact. Mais là, le métier qu'on fait aujourd'hui, qui commence à être bien représenté, n'existait quasiment pas avant, quoi. Il y avait des gérants classiques de salle et tout ça. Ouais. Mais quand tu avais accès à une salle. Ouais. Moi, j'avais eu accès à une salle en 2013. En 2013, j'avais 20 ans. Ça. Avant ça, j'avais pas de salle. Donc, t'étais obligé finalement de bricoler. Tu bidouillais. En fonction, tu savais qu'il fallait faire du bench, un peu de curl et tout. Mais tu vois, tu dis l'a fait. Et moi, j'y pense. Le premier bouquin, gros, c'est de la vie, quoi. C'est le guide ton de la vie. Premier bouquin. Parce qu'en je fait, crois que je l'ai eu après, moi. Eh bien, moi, j'ai eu de la vie parce que je disais ces affaires de mon père et tout. Et il avait la méthode de la vie emoji, 1. Voilà, et la méthode de la vie 1. En fait, où nous, on avait. Ça fait vieux de dire ça, putain de merde. Mais genre, YouTube et tout, c'était pas aussi démocratisé. En muscu, c'est vrai qu'il y avait Super Physique à l'époque qui commençait à c'est apprendre, cool que t'en parles de qui, ça. Parce qui a même si, moi, après, j'ai un avis sur Rudy Kouda qui n'engueule que moi. Mais oui. Après, honnêtement, sur ce qu'il a fait, c'est incontestable. On parlait
aussi de Delavier. Delavier, moi, par contre, même s'il est un peu décrié, on va dire, dans les hautes sphères du coaching, ouais, ça reste quelque chose de très abordable pour le commun des mortels, oui, et d'accord, vraiment très intéressant. Oui, pour le commun des mortels, ça reste très, comme tu dis, très abordable. Dans l'expertise, ça reste à discuter sur certains points. C'est vrai. Il n'a pas tort. Enfin, voilà, après, faut arriver à nuancer, du coup, ses propos. Ouais, faut nuancer, voilà. À les assimiler, et puis après, à moi, se faire moi, ses propres idées. Je nuance pas, parce que pour moi, voilà, comme je disais, tout ce côté. Bah, l'affaire, il est très en mode, ouais, tu dois faire une prise de masse, tu manges des 4 quarts à foison. Ouais. C'est ce qu'il y a noté. Non, mais vraiment, ouais, noir sur blanc dans le livre. Hein. Mais on sait toujours pas qui c'est, ce Olive, en plus. Ah, je sais pas. Ouais, je sais pas. Tu vois, ça, c'est quand même bizarre quand. C'est assez mystique. Quand t'as quelqu'un qui a une idéologie, moi, j'aimerais que la personne puisse venir en parler. Voilà. Et peut-être qu'après, avec des arguments et tout, je pourrais nuancer mon propos. Voilà. Et comme tu disais, de la vieille question de contexte, question de niveau, mais c'est un des livres de muscu les plus vendus aujourd'hui. Il est accessible et voilà, moi je renie pas les débuts, comme on disait, les erreurs et tout, on va y revenir oui, dessus, c'est sûr. Mais je renie pas mes débuts, je renie pas d'avoir commencé par la base, quoi, tu vois. Certes, il y a des influences, on en parlera, qui sont beaucoup plus grandes pour nous et qui sont beaucoup moins bien vendues. De la vie, c'est une entrée, c'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée, c'est clair, c'est clair. Et je rebondis encore une fois sur nos débuts. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ta première séance de musculation? Ta toute première séance de musculation? Mais la toute première, j'ai 13 ans. Et c'est mon père qui... Ouais, qui quand même. C'est tout, hein. Ouais, mais parce qu'en fait, comme je disais, mon père est baigné dedans. Ouais. Et du coup, je le vois faire du coucher. Je veux savoir ce que c'est, quoi. Ouais. Donc, je veux savoir ce que c'est. Et je veux tester. Donc, en fait, il me fait faire un peu de barre, me fait faire des petits trucs. Donc, après, c'était pas forcément lourd. Hein. Ouais, ouais. Il y avait pas forcément de placement et tout ça. Et les sensations de congestion et de courbature qui me plaisent. C'est-à-dire que déjà, le fait d'avoir mal ne me dérange pas. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de la musculation par rapport à ça. Déjà, tu vois, je me rends compte que ça, c'est bon. Et après, comme je disais, je veux pas marcher un peu dans les pas de mon père. Je veux me différencier et je pars sur du poids de corps. Pas du tout méthode à faire. Juste, en fait, parce que je voulais, tu sais, faire ça dans mon coin, dans ma chambre, ouais, ouais, avec un sac, des poids. Ouais. Voilà, quoi. Donc, c'était plus un souci pratique. D'accord. Traction. Et le ressenti à la suite de ça, courbaturé, pas ouais, du tout. Ouais, courbaturé. Ouais, ça va. Ça va, ouais. Après, moi, j'ai toujours aimé la sensation de, comment dire, du travail bien fait, quoi. Donc, les courbatures, après ça, on pourra débattre aussi parce que c'est pas forcément vrai, mais à l'époque. Alors, ça fait partie des bugs, ça, peut-être. Pour rebondir exactement sur ça. L'une de mes premières séances de muscu, je me rappelle quand j'ai fait l'acquisition de cette machine. Donc c'est un peu une machine multifonction. Tu pouvais, t'avais un cadre guide, ouais, t'avais des tirages. Donc, quatre, il faisait ça. Ouais, voilà. Et du coup, super content, l'euphorie, ouais. L'euphorie d'avoir cette nouvelle machine. Je dis à un de mes meilleurs potes de venir à la maison s'entraîner avec moi. On fait n'importe quoi pendant 2 heures, 2 heures et demie, mais vraiment genre à pousser, à faire n'importe quoi, à se tuer, mais vraiment, tu vois, parce qu'on recherchait vraiment ce côté, il fallait qu'on soit lessivé à la fin du truc. Oui. Il fallait vraiment qu'on se massacre la gueule. Les crossfitters avant l'heure. C'est un peu ça, putain. En fait, on a inventé le crossfit à l'époque, sans le savoir, sur une machine d'Omios. Et je me souviens, le jour même, une espèce de baisse de tension, pas bien, comme une hypoglycémie, ouais, hypo, ouais. À la suite de ça... Putain, un Doliprane le soir et tout le week-end, malade. Et genre, ça m'a vraiment calmé, tu vois, dans le sens où je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Genre, ouais, je suis... c'est trop. Ouais, et là, tu vois que le corps, en fait, tu passes d'avoir fait des pompes sur des chaises et des dips sur des chaises à te massacrer la gueule avec des poids, et tu vois que la différence, ben, elle est quand même réelle, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, je me rappelle de cette séance-là. Du coup, ça m'a marqué vraiment parce que, à la suite de ce truc-là, ouais, j'avais plus de nerveux, plus rien. Et c'est là que tu comprends la notion de la dose, voilà. de l'effort, de la gestion d'effort, la notion du système nerveux à la suite d'une séance, quand tu te massacres la gueule, mais il n'y a plus rien, tu peux plus rien faire, et ton corps, ben, en fait, finalement, il répond pour lui-même. Hein. Toutes les fonctions, elles sont. Le système immunitaire aussi qui descend. Parce exact. Que... Et le système immunitaire qui descend, et du coup, je tombe malade le week-end qui passe, et putain, j'étais. Mais je suis sûr que toi, comme moi, on revoit ce jeune Martial ou ce jeune Dorian. On lui jette pas la pierre, on est bienveillant. Ben oui. Parce que le mec fait quelque chose. Ben voilà. Et en fait, si tu veux, comme tu dis, on n'avait pas de modèle dans le sport. C'est vrai. Et moi, j'étais sur un site. Alors, j'étais pas sur Super Physique. Ouais. J'étais, ça s'appelait musculaction.com. Oh, et c'était un espèce, tu connais ou pas? Oh. C'était un espèce de blog. Et tout le monde avait son carnet d'entraînement. Elles sont les Skyblog. Ouais, grave, putain, les Skyblog. Et c'est, en fait, tu veux, tout le monde avait son, il y avait énormément d'adhérents, il y avait les anciens, tu sais, ils avaient leurs photos un peu avec des un peu en photo de profil, les gros anciens, tu sais, et du coup ils étaient là en mode, ils mettaient leur carnet d'entraînement à jour tous les jours, et tu voyais ce qu'ils faisaient, et donc du coup toi soit tu recopiais le truc, soit voilà, tu t'agençais, tu modifiais, ouais, dans l'idée c'était pas mal.
Mais ça restait quand même de l'information, on va dire. L'antigeste. C'était pas des experts, quoi. C'était des passionnés. Oui, les mecs, du coup, c'était des mois, mais avec 25 ans de plus, tu vois. Donc, ouais, du coup, ils s'affortaient à coup de développer, coucher 15 séries de 6, 3 en incliné, décliné, pas que. Enfin, bref. C'était un peu n'importe quoi. Mais c'était cool parce qu'il y avait quand même cette entraide dans ce blog-là. Et toi, en gros, tu postais des photos de toi dans le sens où... Pour les évolutions, tout voilà, ils te disaient « Ah, c'est bien, t'as bougé. » Ou alors, si t'avais une question, le plus ancien du blog, il t'expliquait de prendre ton fromage blanc 500 grammes avant d'aller dormir. Et du coup, le mythe du Martial qui n'avait jamais fait de muscu, on avait plein d'a priori, forcément. On avait des mythes qui étaient construits par du coup des personnes, le docteur du coin, le tonton qui a fait ci, qui te dit que c'est pas bien de faire ci, faire ça, bref. Et c'est quoi le mythe dont tu te souviens qui t'a le plus marqué? J'en ai dit un off, mais là que tu parles, il y en a un qui est pire, je crois. Est-ce que je le sors, Tom? Vas-y. Tom me dit oui, alors je le sors. Il le connaît? Il ne le connaît pas. Ah, c'est cette putain de phrase qui est « Je veux être musclé, mais pas trop. » Ah, c'est toi, tu voulais être musclé, mais pas trop. J'ai sorti. J'avais l'impression. Tu l'as dit à qui, ça, déjà? Je l'ai dit à mes potes et tout, c'est-à-dire quand on faisait mes objectifs. J'avais vraiment l'impression que si je commençais la muscu, c'était comme des tatouages, j'allais pas m'arrêter. Ouais. Et qu'en fait, j'allais enfler, quoi. Ah, donc, ouais. Moi, tous mes mythes, style gonflette et tout ça, comme tu grandis dans un environnement. Moi, grâce à mon père et tout, j'avais un filtre quand même. Ouais. Mais j'avais, quand je voyais vraiment mon père qui était quand même vraiment assez musclé, toi. Et moi, j'avais vraiment l'impression de si jamais je contrôlais pas ma charge, que j'allais exploser et qu'au final, j'allais devenir vraiment trop musclé et que ça allait me gêner dans les moments plus sportifs et tout. T'es rempli de ça, ouais. Ouais, ouais, mais ça, c'est un mythe qu'on entend encore aujourd'hui. Hein. Genre, mais tu vas être trop musclé, certaines filles ne font pas de musculation à cause de ça. Ouais, putain, quelle erreur. Quelle erreur. Alors que les procédés physiologiques, justement, prend énormément de temps et qu'il y a tellement de bienfaits à se muscler et à être fort. C'est ça, sur le long terme. On parlait d'épargne, mais ne serait-ce que déjà, moi, les gens, je les rassure sur les procédés physiologiques de notre corps très complexes, remplis d'inhibitions, que ça soit avec les OTG, comme on disait, pour la force et tout ça. Mais même ne serait-ce qu'au niveau hypertrophie, on a une molécule qui va nous empêcher, en fait, d'avoir un développement musculaire optimal. Exactement. C'est une race de bœuf, là, qui l'ont les, pas. Les blancs, bleus, belges, je crois que ça s'appelle. Ils ont une anomalie génétique. Et du coup, exactement. Je sais plus, mais en tout cas, cette molécule-là va venir freiner justement l'hypertrophie. Le cerveau, le corps prend peur si jamais il y a un accroissement du volume. Comme il est un peu feignant de base, il sent qu'il va y avoir une dépense énergétique supplémentaire et il freine. Et tout ça, on ne sait pas. Et du coup, voilà. En plus, très souvent, dans des salles à l'époque, on voit des bodies. L'affluence des salles, c'était pas monsieur, madame, tout le monde. Non, c'était des bodybuilders. Ouais. C'était vraiment le repère. Quoi. Le sport, c'était moins. Ah non, le sport santé, c'était la course à pied, le tennis, le badminton, mais c'était... Et du coup, ça nous renforçait, c'est-à-dire qu'on voyait des mecs qui avaient 20-30 ans, mais qui, eux, justement, étaient des professionnels. Donc du coup, ça nous renforçait dans ça. D'ailleurs, en parlant de ça, le plus gros mythe que j'avais, c'était... alors, c'était pas, du coup, le fait de pas trop prendre de muscle, parce que moi, j'étais dans l'idée de vouloir prendre du muscle max, tu vois. Ouais. Donc je voulais vraiment... parce que j'avais du poids à prendre. Oui. Donc ça me faisait pas peur, entre guillemets, je dis bon, tant mieux. Je m'étais quand même plus ou moins renseigné sur les blogs et il y avait ce discours qui était réel, qu'il fallait du temps pour être musclé, pour arriver à un certain physique. Avant, tu me montrais des photos, je vais être comme ça, et les mecs te disaient oui, mais ça prend du temps. Je m'entraînais et du coup, j'étais avec un de mes meilleurs potes, du coup, toujours le même avec elle, on avait fait la grosse séance là. Et c'était, on avait fait une commande de compléments alimentaires et j'avais acheté de la whey chez Citec Nutrition. En fait, j'imaginais, putain, c'est la révélation, ça. Ouais. La whey. Tu vois, les mecs, les pots de whey, ils étaient énormes, solides, des gros pecs, des marketing gros bras. C'est ça. Et moi, je me suis dit, putain, vas-y, je vais prendre ça. Et du coup, j'ai commandé, on avait commandé, et on s'entraînait avec plusieurs collègues, 4-5 collègues, et quand ces collègues partaient, on était là et on prenait notre protéine, tu vois, genre assis en mode cachette, en mode, ouais, t'inquiète. Ah, parce qu'il y a des gens qui voyaient ça pour du dopage. Exactement, exactement. Et même moi, tu sais, l'effet placebo, tu prenais ça, tu dis, ah putain, tu me sens... Même, non, mais l'effet placebo, je vais plus prendre de muscle, je me sens plus fort et tout. Confiance. Alors que Walou, c'est du poulet, c'est pareil, c'est des œufs, tu vois. C'est des raisons pratiques et de digestibilité, mais après, t'as totalement raison. Et c'est ce mythe-là que j'avais dans le sens où je pensais que quand j'allais prendre des protéines, ça allait être un game changer pour moi, tu vois, alors que pas du tout. Pas du tout, et au final, après même, on se rend compte que le game changer, c'est quand même on parlait des total caloriques, c'est le total calorique et les glucides. Quand on parle d'évolution du pratiquant, on est basé sur les standards purement physiques, mais les standards de connaissance, le fait d'être revenu sur ces clichés, de les avoir combattus, de les combattre maintenant. Les combattre encore, parce que c'est encore
encore en 2023. C'est ancré, honnêtement, c'est encore ancré. Il y a beaucoup de professionnels de la santé. Oui, l'équipe qui font un article sur ça. Ouais. Ah oui, j'avais vu qu'ils font perdurer ces putain de mythes, quoi. Putain, ouais, au bout d'un moment, les mecs, ils donnent. En plus, c'est des journalistes. Oui. Qui n'ont aucune connaissance dans les compléments alimentaires, le domaine d'entraînement, le domaine de la nutrition, qui postent des trucs pour apprendre à des personnes en leur disant ouais, ben en fait, faut pas faire ça. Il n'a jamais poussé une haltère de sa vie, il n'est jamais rentré dans un shop de compléments alimentaires. Ce genre de gars qui rentre les matins et qui achète la ceinture abdominale. La ceinture abdominale. Et qui se dit ah, ça vaut une bonne séance. Non, mais t'as totalement raison. Après, c'est des gens, et c'est ça le gros problème. Si Bernard, entre 3,5 au café à 40, il me sort que les protéines, c'est danger, je m'en branle un peu. Après, ouais. Si c'est quelqu'un qui, par contre, a une légitimité, qui peut apporter une influence dans le milieu sportif, ça peut être des influenceurs, certes, mais ça peut être, comme tu dis, des journalistes sportifs, etc. Ça me dérange. Et nous, justement, avec l'humilité qu'on essaie de mettre à notre échelle, essaie de combattre ça pour justement lutter contre cette désinformation. La plus grosse erreur que tu aies commise dans ton parcours d'entraînement personnel. Okay. Pas coaching, hein, d'entraînement personnel, ça serait laquelle si tu devais vraiment identifier une seule erreur? Alors moi, j'en ai fait beaucoup. La première comme ça que je sors, c'est parce que moi, d'entrer dans la musculation, tu vois, moi, je voulais être plus musclé. Je te l'ai dit, j'étais gras, tout ça et tout. Ouais. Mais déjà, cette peur de pas être, donc je voulais pas être trop musclé pour pouvoir être athlétique. C'est lié au mythe que t'avais, en fait. Voilà, j'avais lié ça. Donc, du coup, ma façon de commencer en musculation, le premier truc, c'est que moi, c'était la force qui m'intéressait déjà. Tu vois, c'était soulever lourd et tout. Et en fait, j'avais pas des bases techniques suffisantes. Je ne maîtrisais même pas le geste, tout ça, l'effort répété. Je commençais à charger lourd d'entrée. J'ai fait des RM très tôt au développé. Ouais. Genre, moi, je me suis retrouvé sur de la très haute intensité à l'échec musculaire et nerveux. Ça faisait même pas 2-3 mois que j'en faisais, quoi. Ah oui. Très grosse erreur. Au niveau de la santé. La structure n'est pas là. Elle n'est pas bâtie. Celle-là, elle me marque parce que je me revois au coucher. Là, quand je vois les gens, honnêtement, putain, je sais pas toi, mais des adhérents, je les emmène tard à l'échec. Hein, tu vois. Il faut vraiment qu'ils aient des bases. L'échec, mais vraiment, là, ça prend des années. Enfin, pour moi, l'échec sur des gros lifts comme ça, il y a trop de rapports entre le bénéfice et le risque. Ouais. Quel bénéfice tu as à faire un RM à un débutant, alors que tu as énormément de risques, en fait, que tu on fais évalue différemment, parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais en fait, on peut évaluer quelqu'un sans faire une RM. Tu peux y aller, déjà. Tu peux construire de la masse et construire de la force, rien qu'avec du 8, 10, 12. Au début, ça, c'est vraiment une erreur, quoi. C'est d'avoir voulu charger trop tôt, trop lourd. Et même au final, voilà, contre-productif, puisque on a parlé des côtés physiques, qu'en faisant beaucoup moins, je peux avoir beaucoup plus de problèmes. Et c'est même que non seulement je n'avais pas de problème, mais même je régressais. C'est-à-dire que ma confiance diminuait, mes barres au coucher, je récupérais pas de mes entraînements. Voilà. Du coup, je me trouvais nul, etc. Et donc, du coup, en fait, quand tu commences à toucher là, quand tu commences à toucher la confiance en toi psychique, le physique, il peut pas suivre. Un mec qui est blessé, par exemple, au genou, on en parlait, qui est blessé au genou, pour le faire squatter lourd, il y a un combat plus dur dans la tête de remettre en confiance, réapprivoiser la charge, un mec qui se fait mal au dos, de refaire du deadlift, c'est presque plus dur pour moi que la réathlétisation, entre guillemets. Je suis d'accord avec ça, parce qu'il faut qu'il prenne confiance, puis il a ce passif émotionnel fort, émotionnel qui a créé, du coup, la douleur a été créée par des facteurs externes, on sait pas trop forcément lesquels, mais quand il y a une douleur, il y a toujours une énorme appréhension du client. Et ils se disent, cet exo est pas fait pour moi, mais en fait, c'est pas ça. Et des fois, il y a même zéro douleur. Et vraiment, le côté, parce que la douleur, elle peut être mécanique, mais aussi, comme tu dis, émotionnelle, hein, quand même. Donc, il y a ce côté d'appréhension qui fait ressortir un peu. Et le fait d'avoir peur de se blesser, la plupart du temps, tu te blesses. Et moi, j'ai vu ça. Tu parles vraiment de parcours de coach et tout. Je l'ai vu. J'ai vu des gens se créer même douleur. Ouais. Et ils ne supportent pas quand c'est psychologique, parce que psychologique, ça sous-entend qu'ils s'inventent une vie, etc. Et tout. En fait, non, ils ressentent vraiment la douleur. Ils l'ont en eux, dans leur chair. Mais en fait, le mécanique complexe, comme tu dis, très souvent multifactoriel, en fait, vient aussi d'une part de eux-mêmes qui se surprotègent. Comme si l'inflammation, c'était un bouclier pour parler plus loin, tu vois. Moi, ma plus grosse erreur, j'ai envie de dire, du coup, alors c'est pas, comme je t'ai dit, c'était pas le côté vouloir prendre de la masse trop vite, puisque c'était notamment un de mes objectifs. Ouais. Avoir laissé l'aspect vraiment mobilité articulaire de côté, tu vois. Moi, je l'ai fait de cette heure aussi. Ça m'a amené à la blessure sur le genou, que j'ai eu du mal à m'en sortir. Bon, maintenant, j'ai plus aucune douleur et on a squatté ensemble. Allez checker ces vidéos-là. On a squatté ensemble tout à l'heure. Sur les cars, il m'a fait faire ça avant les squats. J'avais le cul en feu comme après du hip thrust. Et du coup, ça m'a permis de m'en sortir de cette douleur-là, malgré le fait que j'ai vu énormément d'experts.
dans le domaine de la médecine. Qui se prétendent l'être parfois aussi. Bah ouais, alors l'expert, l'ostéo du sport, le kiné du sport, le machin du sport, bref, tout. Le gars qui gère le genou, bref, les médecins, j'ai fait des radios, des IRM, bref, tout ça, rien n'a y fait. La connaissance, il va falloir que je l'acquire par moi-même et que je teste sur moi-même du coup. Et honnêtement, ça s'est très bien passé, très bien mené. Et bah, aujourd'hui, voilà, il nous double 150 mobilité cul par terre, un joli RPE 9 et demi. Donc ça veut dire qu'il a quand même pu mettre vraiment de l'intensité dessus. Ouais. Pas de douleur au genou, quoi. Pas de genouillère, pas de douleur, vraiment tout sur les quads, dans l'avant-guingamp, c'était parfait. Non, voilà, c'est ce qui me plaît du coup avec ça, c'est que là, tu vois vite des résultats. Et après, c'est un outil aussi pour aider les clients, les autres. Ben, et c'est ce qui me plaît vraiment. Et j'ai trop délaissé ça. En fait, j'étais trop dans le côté body pur et dur. Et en délaissant ça, ben forcément, du coup, derrière, tu crées des limites. Et les limites, je les ai payées avec une blessure au genou, tu vois. Et je vois totalement. Et c'est marrant ce que tu dis parce que même en tant que coach, très souvent, il y en a qui font de la confusion parce que tu vois, tu parles de mobilité et il y a des gars qui vont dire OK, go faire du stretch passif. Non. C'est pas ça du tout. Ouais, c'est un autre truc. Ça. Ouais, c'est vrai parce que. Alors, le problème de ça, c'est qu'il y a le CrossFit aussi qui a mis en avant les cours de mobilité le truc. C'est vrai. Mais c'est des fois de la mobilité aussi passive. Là, ce qu'on a fait du coup tout à l'heure, ça reste quelque chose d'actif. Donc, on cherche à mettre de la tension. Voilà, des contractions isométriques, de la tension dans des amplitudes. Et on n'est pas là, du coup, à aller chercher un stretch, on va dire, balistique. Non. Plutôt, passif. C'est une approche un peu différente de ce qui se fait, du coup. Et je pense qu'il y a un problème avec l'appellation de la mobilité. Oui. Et il y a énormément de choses qui sont incluses dans cette mobilité, tu vois. Mais moi, je pense qu'on est d'accord sur la définition. Moi, à la salle, quand les gens viennent me voir et qu'ils me disent, Marcel, c'est quoi la mobilité? Je dis, c'est la production de force dans les amplitudes extrêmes. Basta cousi. Ouais. Genre, tu fais ton squat cul par terre, si t'as le dos rond comme une baleine et que t'as la tension d'un kangourou mort, c'est pas être mobile, ça. C'est bien, tu peux boire un thé, tu peux faire des trucs. Un kangourou mort, ouais. Le kangourou mort, c'est le premier truc qui vient à tête. Mais on peut changer, on peut prendre un panda, y a pas de souci. Mais du coup, voilà, déjà, c'est une tension musculaire. Et tu vois, par contre, si t'arrives à descendre comme toi t'as fait, on sent que, tu vois, y a pas de butt wink, quoi. Ton squat, J'essaye d'aller voir. Pas que c'est absolument mauvais. Non. Attention, mais non, c'est juste non, que. Non, 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 mais c'est ça aussi. Oui, oui. A tendance à avoir une maîtrise de son corps dans le squat, ça reste d'éviter au maximum, d'éviter le butt wink le plus tôt possible. Voilà, pour ceux qui. Tu le définis comment, toi, pour ceux qui connaissent pas, parce que butt wink. Le butt wink, c'est l'action de faire une rétroversion, en fait, quand tu descends sur ton squat. C'est ça. Et ça c'est traduit par. Donc ça arrondit. Les lombaires, en fait, qui s'arrondirent. Comment? C'est tu casses la lordose, en fait. Exactement. Ouais, t'as plus de cambrure. J'avais vu dans Victoria Pollastri, elle en parlait de ça, elle en parlait bien, elle parlait de contre-nudation et tout. Ça aussi, tu vois, déjà, nous, les coachs, on n'est pas forcément d'accord et tout ça. On va dire qu'il y a quand même là une zone d'ombre. Mais par contre, quelqu'un qui arrive en bas avec cette position de doigt arrondi, mais qui, par contre, tu le sens, quoi. Le mec, il est assis, tu vois, c'est vraiment, il est posé. Ouais. Et quand il va arriver, qu'il va remonter la barre, il va recréer de la tension en balançant les hanches vers l'arrière. Ouais. Et du coup, ça devient un ischio, quoi. Bien sûr. Et ça, c'est dangereux. Et qu'à l'inverse, toi, comme tu fais, mais du coup, quand je dis que t'es mobile, c'est que tu descends super bas, mais il y a une tension. Quand on fait du roumain, tu vas avoir la barre vraiment au niveau des lastés. Ouais. Et en fait, même si tu vois le haut du dos, tu vois, par exemple, des fois, moi, je suis grand, j'ai des leviers. Les gens ils vont se focaliser sur le dos rond, je sais pas quoi. Moi, la tension elle est là, elle est présente parce que mes ischios ils sont mobiles. Et quand justement on fait de la mise en tension, là comme on a fait tout à l'heure, là l'exercice où on met les mains sur les pieds et on met le cul en haut assez vite, assez fort, bam, il y a une production de force dans des grandes amplitudes. Et ça pour moi c'est la mobilité. La souplesse, je sais plus de qui c'est cette phrase, mais en gros, c'est la souplesse c'est un passeport pour la mobilité. Dans le sens où il faut que tu sois un minimum souple pour pouvoir produire de la force dans ces amplitudes-là. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais faut pas capitaliser que sur la souplesse. Parce qu'on peut voir souvent des personnes qui sont hyper mobiles, hyper laxes. Wow, putain, c'est un cancer. Ça, ça arrive, hein. Ouais, l'épaule, les genoux, les lombaires aussi. Ouais, des fois, tu vois, là, ça descend, les lombaires, elles bougent. Ben, ils sont pas protégés, du coup. Ils ont pas d'inhibition, au contraire. Et au final, ils arrivent sur des amplitudes extrêmes, ils vont descendre super bas avec leur squat, ils vont pas mettre des charges lourdes. Même pour le transfert de force, c'est pas terrible. Et ce que tu dis, j'ai coaché une des danseuses pendant un moment, parce que Marcel à Béziers, et je salue Jean-Louis, Christine et la team Adage, s'ils nous regardent, mais j'avais des danseuses, tu sais, et qui étaient très souples, donc ça veut dire que dans leur activité, la danse, parce que selon l'activité, on a plus ou moins besoin de souplesse. Ouais. Elles avaient besoin en passif. Voilà. Et par contre, elles n'arrivaient pas à recréer ce travail dans la mobilité pour un squat.
Sur Squat, elle ne descendait pas. Ils avaient le psoas qui commençait à gêner, les adducteurs qui criaient famine, tu bah, vois. C'est, parce que ça reste un pattern de mouvement qui a été ancré avec des milliers de répétitions dans une certaine gestuelle. Voilà. Et c'est pour ça, comme tu dis, et que pour déconstruire et reconstruire, c'est hyper dur, très dur. Hyper dur. Et est-ce que c'est bénéfique dans sa pratique? Là aussi, ça dépend. Il de, faut, ben, par exemple, si on dit est-ce qu'on va améliorer ta mobilité au squat voilà. pour que tu sois plus à l'aise dans ta discipline? Ouais, Des fois, ça ça dépend, dépend, ça c'est pas dépend, forcément. bien sûr. Arriver le cul par terre avec un cambrure comme, bon, comme j'ai pu le faire tout à l'heure, est-ce que c'est intéressant pour tout le monde? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Vous n'êtes pas tous obligés de soulever 150 kilos. Oui, après, c'est on va revenir sur les standards et sur vos objectifs et sur ce que vous voulez être et tout. Mais on va dire pour un sportif qui souhaite ne pas avoir de douleur selon la discipline, moi par exemple, un rugbyman, je trouve que ouais, il aura totalement intérêt, tu vois, carrément. Parce qu'il a besoin d'une grosse production de force sur les membranes, une grosse amplitude et tout. C'est ça. Mais ne serait-ce que déjà voilà, en termes de mouvement, même si la personne elle peut très bien être limitée par rapport à son passif, ses blessures, on va travailler dessus petit à petit et en attendant s'arrêter au demi-squat, c'est en attendant ça. De faire mieux et c'est même exact, mieux exactement. De se forcer à descendre et. Exactement. Exactement, exactement, exactement. C'est le fait de travailler de manière spécifique sur les limitations aujourd'hui qui nous permettent pas d'aller dans l'amplitude qu'on veut, bien sûr. Et d'adapter l'entraînement, donc d'adapter cet exercice-là, petit à petit, et le rendre du coup, on va dire, un peu plus ludique pour la personne. Ouais. Il a pas la mettre en échec en fait. Non, sur cet exercice. Pas lui dire, ouais, bon, tu le fais pas bien, faut continuer à le faire, essaye de le faire bien. Ouais. Et si tu ne donnes pas les clés pour le faire bien, c'est démarre-toi. Et quand on paye un coach, justement, c'est pour avoir problème-solution. C'est et ça. Même si des fois, nous, on n'a pas toujours la solution. Un schéma de travail. On a un schéma de travail, on a des cas pratiques, on a un plan. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup ce que dit Fred Marcerou, j'espère qu'il nous regardera, je l'embrasse. Sur les trois piliers d'apprentissage, la technique, donc apprendre le pattern, l'assimiler, le comprendre, l'intégrer. Ouais. L'amplitude, c'est-à-dire maintenant être capable de dérouler ce pattern sur toute sa longueur. Et à la fin, l'intensité, c'est-à-dire après, on commence à charger, carrément. Aller chercher l'intensité par rapport au poids ou par rapport exactement. À la vitesse. Exactement. Et comme je dis toujours, un squat à la barre, ça se mérite. Bien sûr. La personne débutante qui arrive et qui n'a aucune maîtrise de son bassin en termes de squat au poids du corps, c'est pas OK. Ouais. Mais tu peux pas lui faire un squat à la barre. Ouais. Là, la plupart du temps, elle va être lâchée dans une salle de sport, elle va voir plus ou moins tout le monde faire du squat à la barre, elle va s'y mettre. Va ça, va être dégueulasse. Quoi. Dégueulasse. Ça va être dégueulasse. Ça se mérite un squat à la barre. La mise en tension du dos, de la bien sûr, la co-contraction. Et j'ai envie de dédicacer, on en a beaucoup parlé en off, mais une grosse influence, Marc Vouillot. Ah oui, Marc Vouillot, c'est clair, ça a été une grosse influence chez voilà, qui manque à l'entraînement en France et qui a une personnalité très atypique, ouais. Qui disait le squat ne supporte pas la médiocrité. C'est exactement, exactement ça. C'est ça. Pour le souhaiter aussi, mais pour le squat, c'est ce que tu dis, ça se mérite. Il y a des apprentissages. Moi, je sais pas, moi j'aime beaucoup le gobelet, tu vois, par la exemple. Oui, c'est ça. Ouais, le gobelet, c'est bien dans un sens où ça permet à la personne d'avoir un centre de gravité un peu plus, on va dire, optimisé pour ouais, elle, la verticalité. De comprendre voilà, le placement de son buste dans l'espace. Enlever l'appréhension de ne pas avoir la charge aussi. Ouais. C'est souvent sur le squat, oui, les gens, ça. Ils paniquent un peu. Là, tu le vois devant. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, après, ça demande des contraintes aussi au niveau épaule ouais, que tu peux avoir avec le safety. Oui. Le safety est une super, super safety, alternative. Zaché, c'est pas mal. Goblet, safety, barre. Ça, je trouve que c'est un super schéma de progression aussi. Ouais. Là, ah, vous mais... savez que le gérant ou le coach a quand même fait le choix d'avoir des bons outils si vous avez une safety dans votre salle. Et dites-lui. D'ailleurs, voilà. Vous en avez au muscu chaud. Donc, Et vous pouvez, merci mon dodo, vous pouvez venir ici aussi à Los Angeles parce qu'il y en a, il y a de la trappe, il y a de la safety. Ok, après avoir discuté de nos mythes, de nos erreurs, de la façon dont on s'est rencontrés. Et de ce qui a fait qu'on a matché ensemble, qu'on a bien connecté. Comment tu vois, toi, du coup, le coaching à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure numérique, aux réseaux sociaux qui sont mis en avant, on peut parler aussi de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est un mal, est-ce que c'est un bien? Je vais essayer de pas avoir un truc trop manichéen, mais pour moi, en fait, on est en train de perdre l'essence même du coaching et des rapports humains. Mmh. Ça veut dire qu'on est parti d'un modèle que toi et moi, on a connu, que les jeunes coachs d'aujourd'hui ne connaîtront plus. D'ailleurs, juste pour dire, quand on a eu notre diplôme, le schéma du coach qui fait des entraînements personnels à ses clients, qui prend en charge tout le monde, moi, je l'avais pas lorsque je suis allé en salle de sport. Non. Et c'est vrai que ça a été amené aussi par le côté américain, nord-américain. Et pour moi, honnêtement, le coaching, c'était quelque chose qui... T'étais dans une salle de sport et t'aidais les gens voilà, à se renforcer, à être sur des bonnes postures. Ouais. Mais j'avais pas de modèle
de personnes qui vivaient du coaching ou qui avaient monté des structures et qui vivaient de ça, quoi. Qui vivaient de manière à suivre des personnes non, de A à Z, tu vois. Bah, moi, j'avais pas ce modèle-là non plus, tu as totalement raison, mais parce qu'en fait, le modèle dominant, nous, on a fait notre stage dans des salles assez familiales avec c'est des gérants, souvent des anciens body ou qui étaient dans le milieu, qui faisaient des programmes, qui connaissaient tout le monde. Et en fait, ce standard type salle moyenne classique et conviviale a commencé à disparaître au profit des gérants. Comme Basic Fit, les Fitness Park, les Freeness, etc. Ces grandes salles sont arrivées. On a commencé à avoir vraiment, voilà, ouais, on peut le dire, en fait, des coûts très bas, hein, pour 10 euros, avoir des abonnements, du low cost. Je pense que c'est un mal, mais c'est un bien aussi. Ouais, ça donne accès à des gens qui n'auraient pas. Voilà, je suis d'accord avec ça. Ça donne l'accès à des gens qui n'avaient pas les moyens. Mais ça ouvre les portes, on va dire, au fait de faire plus ou moins n'importe quoi. Globalement, pour moi, c'est quand même plutôt négatif. Il y a le positif, comme tu dis, que souvent, après, les gens, ils en sont revenus. C'est comme, voilà, de regarder Thibaut InShape. Moi, j'ai rien contre ce mec. Les gens, ils ont vu de la motivation, ils ont entendu des downs, ça les a foutu des haltères dans les bras. Voilà. Bon, c'est mieux que rien. Bah oui, c'est bien sûr. Mais à un moment donné, moi, j'ai une vision de ma discipline très art martial, comme le dit mon prénom un peu. Mais tu sais, c'est le côté sensei, le côté passer des ceintures, avoir un certain mérite, un certain niveau d'exigence. Le côté avoir prouvé que et puis inspiré par le le modèle, en fait. Par le modèle, et en fait, on est passé de ces gars-là qui, très souvent dans les salles, étaient peut-être pas les plus pédagogues, des mecs un peu à l'ancienne, tu vois, un peu à la Rocky et tout. Ouais, c'est ça. Qui pouvaient pas initier monsieur et madame tout le monde, mais maintenant, on est passé à des animateurs. Un peu rustre. Carrément rustre, même. Mais maintenant, on a quoi? On a des animateurs, parce que, en fait, les gens, ils sont revenus des Basic Fit et compagnie. Il y a eu le Covid qui est passé par là, donc en fait, la micro-entreprise, ça le vend en poupe pour coacher des gens. Tout tant est si bien que beaucoup de gens, en plus, avec l'heure des réseaux et tout, se prétendent vite coach et ne cherchent pas à avoir plus loin. Nous, on est là, on est sur le terrain depuis 2015, on pratique depuis 2013 et on se remet en question, on se forme. Putain, on se forme, on fait que se former. On fait énormément de formation. C'est pas acquis tout ça. C'est sûr. Que dans le vivant, de toute façon, tout est en transition. Rien n'est fixe pour moi. Et qu'est-ce que tu penses de la publication de Nassim Saïli qui mettait en avant du coup sa formation? J'ai vu ça. Et qu'il n'y avait pas de carte pro et tout. Voilà, en gros, la promotion c'était devenez coach, vivez de ce métier-là et ce sans carte pro, vous n'en avez pas besoin pour voilà, être pérenne sur les réseaux. Ça me plaît pas parce que, en fait, tu vois, ça ouvre la porte à n'importe quoi. Ça ouvre la porte à n'importe quoi. Et n'est pas Emmanuel Lejar qui veut. Emmanuel Lejar, grosse référence que je sais que tu apprécies aussi, qui lui a un circuit un peu à part. Mais lui, il est parti au State. Il a fait un diplôme là-bas qui est l'équivalent d'un master. Il a coaché des mecs niveau JO. C'est une référence dans la prépa physique. Ouais. Et là, maintenant, oui, il y a une carence. Oui, il y a un nivellement de la société vers le bas. Oui, on a des diplômes. Il y a un nivellement de la société vers le bas. Ah, oui. Il y a un nivellement des accès aussi à certains. Ah, maintenant, ils te font on est d'accord. C'est tout, bien sûr. Très d'accord. Et même en 3 mois maintenant, apparemment, avec un certain CQP. Oui, voilà, c'est ça. Tu c'est as ça, accès CQP, à du coaching. Alors, c'est normalement réglementé par rapport à un certain quota d'heures. Mais, bon, on sait très bien que les règlements sont faits pour être contournés. Exactement. Et ça me dérange parce que, en fait, ce qui fait là le Nassim, en fait. Ok, il y a une carence des diplômes et tout, mais au contraire, il faudrait qu'on se mette tous ensemble. Mais nos syndicats et tout, de toute façon, on n'est pas bon. On n'est pas bon dans notre métier. On est plein de manque de sécurité de l'emploi. Ouais. On a plein de choses qui doivent être améliorées, ne serait-ce que la cursus. On n'a même pas un seul moyen de devenir coach en France. On a presque 18, quoi. Donc il faudrait qu'on fasse une structure de formation claire et établie qui se met dans tous les centres, des tests avec un vrai degré d'exigence et revoir, tu vois, comme dit, le contenu des formations, faire en sorte que ça soit plus en phase avec la société d'aujourd'hui. Oui, okay. Oui, parce qu'on a parlé ensemble que le fait de faire du coaching aujourd'hui, c'est quelque chose quand même qui est on va dire primordial pour un coach s'il veut vivre de sa passion, clairement, et surtout être en phase avec ses principes. Ah, bien sûr. Dans le sens où... faire une vidéo sur comment on a réussi d'ailleurs à ramener quand même nos adhérents et tout, ça un jour, ça pourrait être vrai. Et c'est vrai, ça peut être un sujet de podcast. Mais le fait, moi, quand je parle d'être en phase avec ses principes, c'est qu'en salle de sport, c'est cool au début pour créer une expérience, mais c'est vrai que tu prends pas assez de temps avec les personnes. Et donc ça, moi, c'est ce qui me frustrait beaucoup. Moi, ça me frustrait d'ouf. Voilà. Et du coup, j'avais l'impression de pas pouvoir lui donner tout ce que je pouvais lui donner, tu vois. C'est clairement ça. La première fois où j'ai commencé, j'ai quand même mon tuteur qui m'a dit, tu dois pas passer plus de 5 minutes par client. Ouais. Alors que moi, je voyais des bodies qui avaient pas besoin de moi. Alors que quand je voyais, Jacqueline, le petit Serge pour faire des prénoms anciens et nous rendre sympathiques, ces gars-là, eux, ils avaient besoin de moi. Ouais. Et moi, c'est ce que j'aimais aussi dans les salles un peu plus à l'ancienne, c'est qu'il n'y avait pas cette dictature du nombre. Et pour terminer juste sur Nassim, j'aime pas l'idée de dire, fais ma formation privée qui coûte tant,
Et là, tu auras accès à la connaissance et tout ça. Ça me plaît pas. Ouais. Tu vois. Ça me dérange vraiment. Donc, ok. du coup, je suis d'accord avec Kenny. Et je pense quand même qu'il Ouais, faut je suis un d'accord diplôme aussi. étatique. Ben oui. Tu vois, faut pas qu'on tombe Non, mais dans il faut l'extraordinaire mettre des règles. américain. Il faut des Il faut mettre mettre des des règles. Il faut règles. mettre des Il faut règles. mettre des règles. Il faut protéger les gens parce que quand on fait du sauver terre, c'est un risque. Et il Ouais. faut que les gens qui vous fassent pratiquer cet exercice sachent ce qu'ils font et sachent de quoi ils parlent. Vraiment les deux. Vraiment les deux. Ouais. Donc voilà. Ok, d'accord. J'avais pas aimé aussi quand Rudy Koya il avait fait une vidéo en disant ne soyez pas coach aujourd'hui. Alors, j'ai juste vu le titre. Honnêtement, je vais même pas regarder la vidéo. C'est une voix bouchée, je sais pas quoi. C'est. Ouais, mais après. Moi, je pense au contraire que quand on... Enfin, après, c'est mon avis, Doran, tu me Ouais, diras le tien, vas-y. bien sûr. Mais moi, je pense que quand tu aimes ton métier, quand tu es convaincu de faire quelque chose de bien, tu vois pas les autres comme des concurrents. Tu vois juste les Ben gens qui font le bien autour de oui. toi. C'est Et donc, en exactement fait, t'as envie ça. d'en... Allez, faites en Ouais. sorte. Oh, on n'a jamais eu autant d'obèses, on n'a jamais eu autant de dépressifs en Mais France. on n'a jamais eu autant de coachs sportifs. Et on Est-ce n'a que c'est jamais eu autant de coachs normal? sportifs. Donc, il y a un problème. Et Voilà. justement, maintenant, il faut qu'on devienne la solution. On fait partie de la solution. Le Covid, pour moi, ça a été exécrable comme ça a été géré. On te parlait de vaccins, de masques et compagnie. Ouais, Et attention, hein, je ne suis pas SO Docteur Raoul ou complotiste ou quoi que ce soit. Je ouais. suis carré, je suis net, je suis concret. Pas d'éducation à l'alimentation pour le Ouais. surpoids. On avait le droit d'aller dans un bureau de tabac, d'acheter des Nikens. Tu n'avais pas le droit Et d'aller faire ton sport. Donc, la société doit changer par rapport à ça. il y a eu des choix qui, selon moi, ne Oui. sont absolument pas du coup prioritaires, Non, bien dans le sûr. sens où on te laisse, comme tu dis, aller chercher tes cigarettes à gauche, à Ouais. droite, et on va dire, t'exclut C'est de la ça. salle de sport Bien sous sûr. prétexte que c'est Et tu vois, moi j'entendais un truc complètement. de. Non, mais voilà, ce prétexte-là de sécurité. Mais rate ta salle ou la mienne. On arrive, tu dis, ok, pas tant de gens. Par exemple, ça, je peux le comprendre, c'est pour la Ouais, contagion. bien sûr. Aération continue, je peux le comprendre, il n'y a Ouais. pas de souci. Mais mettre tout le monde dans le même plat et dire, non, t'as pas le droit de faire un muscu. Oh, gros, moi je faisais ma séance à un moment, j'ai l'impression d'être un délinquant, quoi. Ouais, Alors que qu'est-ce que je ouais, faisais? Je fais du bien à ma santé. ouais. Et que ça soit un espèce de tournant pour les gens qui prennent conscience que c'est important et que c'est pas Bien juste sûr. que pour le côté physique, le côté Non! silhouette, c'est vraiment pour le côté Ah non, santé. mais Guillaume, on en parlait, Ouais. c'est Guillaume le prénom, Guillaume voilà, Guillaume Guillaume, Guillaume, il avait dit une phrase qui m'avait plu. Il avait dit la sédentarité tue. Ça veut dire bah que oui. vous mangez pas, à un moment donné, vous mourrez, vous ne buvez pas, à un moment donné, vous Vous mourrez. mourrez. Restez dans la même position tout le temps, vous allez avoir des compensations, et à terme, c'est la mort, quoi. Ouais. L'absence de mouvement, c'est la mort, ce qui fait qu'on est vivant. Le regardez, je parle, C'est je ça. bouge, c'est la vie, le C'est la mouvement. vie. C'est la vie. Et on les a frustrés par rapport à ça. Bah, le fait d'avoir un niveau de force suffisant pour être Ouais. autonome dans l'âge, c'est C'est notre important. épargne. Quand on vieillit, c'est inévitable. Sarcopénie, fonte de masse Exactement. musculaire. Et tu te rappelles ce que Voilà. disait Marc Vouillot? Il courberait pas les chines Ah, jusqu'à la fin, putain. là. Cette phrase, Ça, moi, je suis c'était C'était incroyable. impactant. Il est rentré et le pauvre, je me rappellerai, comme tu dis, il a dit, Hein, moi, je crèverai debout. Il a ouais. dit, je serai Debout. pas comme ces vieillards là Voilà, devant. Ça m'a pas comme ces tatoué. vers le Doron, Ça m'a moi. tatoué, ça. Ouais, grave. Ouais, C'est très bien que tu dis ça parce que moi j'aimerais entendre plus de phrases comme ça je. que rentrer dans un truc aussi un peu, tu sais, des fois, disons les termes. On est un peu justement maintenant, dès que tu dis à quelqu'un il faut que tu maigrisses parce que tu es en danger, c'est Ouais. presque Oui. de la grossophobie. Enfin, tu vois Non, ce que je veux dire? ouais. La grossophobie, c'est vraiment du harcèlement, c'est être vraiment méchant, Bien c'est sûr. vouloir nuire à une personne, lui faire du mal. Bien sûr. Mais il faut pas qu'on tombe dans une société de fragile, on peut Non, plus rien bien dire aussi, sûr. tu vois. C'est factuel, quoi, du Alors, on coup. a protégé les gens de même en leur incluant, en leur donnant justement les trucs de mettre un vaccin. Mais par contre, on va pas leur dire de Ouais, faire de l'effort physique, alors carrément. que c'est vraiment la base, La base de la base, la ouais. base de la base, Bien sûr. l'alimentation. On regarde les premiers écrits qui nous sortent d'Hippocrate. Il y a L'alimentation l'alimentation, et la première médecine. voilà, la médecine et le mouvement La première médecine, ouais, qui a l'alimentation. toujours été présent Bien sûr. chez les humains. Et ça me dérange. Voilà, ça, nous, je pense qu'on peut partir du game changer, quoi. On est proche des gens. Il faut juste qu'on soit bien organisé, il faut qu'on soit respecté. Parce que très souvent, on va avoir des paroles qui vont à l'encontre de généralistes À fond, ah ouais, qui bon sont alors bac plus 7, bac plus 8. ça c'est mon quotidien. Pas que je me bats tout le temps contre ça, Voilà. mais que c'est compliqué d'avoir une certaine légitimité quand il y a cet argument d'autorité de la blouse blanche, tu Ouais, sais. exact. Et le mec, il va lui dire, arrête de bouger, fais passif. Putain, mais le gars, il a déjà mal au dos, mais il peut déjà plus Bien bouger. Elle sûr, ne lui dit pas d'arrêter de bouger. les nouveaux kinés, justement, c'est bien ça, parce que Oui, ils vont dans le bon sens. ils vont dans ce sens-là, et ça, c'est super Il important. faut. Il faut. Alors, ok, il y a une façon de bouger quand t'as mal au dos, Ah, bah oui. mais cette façon-là, mais exploite-la en Ouais. fait. Usite or losite, comme tu disais en off, Exact, hein. usite et C'est redite. ce que tu ne mobiliseras pas, tu le perdras. Grave. L'ancienne génération qui disait qu'il fallait l'immobilisme pour justement lutter contre la Ouais, douleur. c'est putain de plate. C'est du passé tout ça. Maintenant, on a compris que le mouvement libère le mouvement. Et bien sûr, Grave. quand tu dis, l'intérêt de votre métier, c'est quand, comment, qui, pourquoi. Ça, c'est C'est nous. ça, c'est Laissez-nous ça. faire. Ouais, c'est Et ça. je déteste que tu dis l'argument d'autorité parce que, ok, on va dire quoi? On va dire, imaginons, moi j'ai un bac plus 3, d'accord? J'ai un bac Ouais. plus 3 en économie. La coiffeuse, elle a un BEP. Est-ce que je suis plus apte?
n'importe quel a coupé les cheveux, tu vois. Ça, non. C'était l'argument qui avait été sorti au crêpe. Ouais. Non, ça veut dire que c'est pas l'année de diplôme qui fait. Mais c'est fait, surtout, voilà. C'est pas la même domaine, c'est pas la même compétence. Un généraliste, il a peut-être survolé le côté alimentaire. Ouais. Et puis même, le mec, s'il est pas en santé, qu'il commence à me donner des conseils, ouais. Faut que tu sois comme ça, faut faire ci, faut faire ça, et gros, arrête et de me parler. Et après, t'as des gars comme le docteur Joyeux qui peuvent être clivants et qui, comme tu disais, des fois... Professeur Joyeux, ouais, professeur oui, Joyeux, je l'ai vu en conférence et tu vois, je vais te dire quelque chose. Qu'est-ce que t'en penses, du coup? Moi, j'ai une idée, on va dire, biaisée par rapport à lui, dans le sens où je me suis pas intéressé à ce qu'il racontait vraiment. Ouais. J'ai juste vu des passages de certaines vidéos où il dit top produit, ouais, tu vois, ce que je veux dire. Oui. C'est lui ou pas, non? Mais il dit des trucs comme ça un peu. Non, genre, alors, pour les, attends. Top produit, attention, confond pas avec l'artiste là, avec Cohen. Ah non, c'est Cohen, pardon. Cohen, c'est dingue. C'est Cohen. Alors professeur Joyeux. Le professeur Joyeux, c'est de Montpellier qui avait fait parler lui parce qu'il était un peu contre les vaccins. Oui, non, alors c'est pas lui, c'était Cohen de je parlais. Ouais, ok. Il a fait énormément de polémique parce que bien avant le Covid, il était contre les vaccins, il a parlé des produits laitiers comme étant cancérigènes et tout ça. Bon, il y a des choses, c'est clivant, il y a des choses, je prends, d'autres, je prends pas. Il y a des choses qu'on sait pas, déjà aussi. Lui, c'est de la nutrition, et quand tu vois le petit déjeuner type qu'il donne, déjà, il parle des œufs de matin. Ouais, il est. Frérot, il parle des œufs de matin. Il est cohérent. Oui. Ils connaissent pas. En fait, cholestérol, pour eux, c'est. Pour eux, c'est mauvais. Ouais, c'est ça. Exactement. Cholestérol, les amis. Précurseur de la testostérone, les amis. Voilà, précurseur testostérone, banks to banks. Eh oui, voilà. Précurseur hormonal pour avoir un métabolisme qui fonctionne. Le feu. Et surtout, le cholestérol, ceux qui connaissent un peu, ils vont dire le bon et le mauvais. Même si tout n'est pas si simple. Exactement. Mais c'est pas si. Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà, mais si on devait vraiment l'expliquer rapidement, tu me dis ce que t'en penses, mais moi, je dirais deux axes, le LDL et l'HDL. Moi, je dirais que le HDL, en fait, c'est comme l'aspirateur du LDL. Ça veut dire que vous allez vos artères et tout, vous imaginez en fait vraiment le cholestérol, on va dire mauvais, pour vraiment vous le simplifier comme ça, ouais. Et l'autre il fait office d'aspirateur, donc en fait ça fait pour moi partie du système immunitaire, et c'est le ratio entre les deux qui va être important. Exact. On a besoin d'un agresseur dans le corps et bien d'un sûr. Agressé, ouais. Et c'est cet équilibre entre les deux qui fait que notre corps répond aux attentes. Le but c'est de pas chercher à l'éliminer complètement, mais voilà. C'est d'avoir un bon ratio entre les deux. Exactement. C'est la base en fait. C'est la base dans plein de choses, et en exact. Fait le corps est régi toujours par des équilibres, par des principes d'homéostasie, donc d'équilibre. C'est ça. Et du coup, Docteur Joyeux, lui, même si on n'est pas d'accord à fond avec tout ce qu'il fait, il parle d'oléagineux, il parle des bienfaits des huiles, il s'ouvre pas mal. Et moi, j'ai lu même ses trucs diététiques, même si je suis pas toujours d'accord avec lui à 100%, notamment sur les produits laitiers. Moi, je pense qu'on peut consommer des produits laitiers. C'est juste une question de quantité. Moi, je suis d'accord avec toi sur ça. Ouais. Et je pense que on a diabolisé énormément les produits laitiers. C'est facile, c'était à la mode. Ouais, voilà. En fait. Puis après, il y a toujours eu des périodes où on a diabolisé. À un moment donné, on a diabolisé les graisses. Ouais, ensuite, on a diabolisé le sucre. Le 0%. Après, le zéro, le machin, les diètes soda. Les soda diètes, ça, j'en parle tout le temps dans mes vidéos. Mais il y a toujours aussi un contexte de nuance et de quantité. C'est souvent la quantité qui fait le poison, et pas forcément, tu vois. Exactement. Et après, juste, ben voilà, les généralistes, des fois, ils n'ont pas le temps. On sait qu'en en France, le Covid, ça a montré aussi que, au niveau sanitaire, on est loin d'être prêt. La santé, c'est pas que guérir, c'est prévoir aussi. Et nous, on est dans la prévention. Et bien sûr qu'après, lorsqu'il faut guérir, les médecins, on leur fait entièrement confiance. Oui, et on n'en prêtera pas sur leur métier. On va pas commencer à regarder une ordonnance, genre, mais quoi, mais du Brigatich. Le Doliprane, celui-là, c'est du 500. Ah ouais, voilà, le Brigatich, qui est un remède qui n'existe pas. Enfin, Tom saura pourquoi. Le Brigatich. Un petit hommage à son nom de famille. Si tu devais me donner trois qualités athlétiques qui, selon toi, sont les plus importantes, encore une fois, selon toi, pas pour les sportifs que tu peux encadrer, mais toi dans le, si tu devais choisir que trois. Moi, bien sûr. Bah, déjà, en premier, je suis désolé, mais la force. La force, ok, parce on est d'accord. Parce que la force, pour moi, c'est tout mouvement. Regardez, je fais ça avec ce stylo, j'ai un besoin de force. Ouais. Je vais le faire avec 40 kilos, le besoin de je force. Je me tiens droit, grand, je marche droit. Besoin de force. C'est de la force, le recteur du rachis. Exactement. La force, quoi, la colonne vertébrale droite. C'est ça. Donc, je reviens pas au sol. Tout mouvement, voilà, comme tu dis, tout mouvement, en fait, est régi par des forces. Donc, déjà, il faut un certain niveau de force. Selon nos objectifs, notre niveau, notre âge. Bien sûr. Ça va varier, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas forcément la force. C'est juste une petite info. La force, c'est pas forcément prendre une grosse barre sur le dos, descendre, remonter.
peut-être déjà arriver du coup à faire quelques pas ouais. et tenir tes courses ouais, pour rentrer chez toi avec des bouteilles de lait et devenir en fait autonome. Et plus tu vieillis, selon moi, plus tu en as besoin. Et complètement, parce que tu as besoin de cette dose de force au quotidien pour pouvoir pour lutter contre les chutes, la sarcopénie, on l'a dit tout à l'heure, la dégénérescence musculaire liée à système nerveux hormonal, parce que les hormones, nerveux, tu parlais de bien sûr aussi, voilà, en bien sûr. Vieillissant, ça diminue. Et pour avoir encore un petit mal, la bonne santé, la confiance en soi, il en faut. Donc, carrément. Force, premier. Deuxième, c'est vaste, mais je dirais cardio, endurance. Ouais. Chacun mettra un peu le terme qu'il veut, mais je dois être capable de faire 2 km à pied sans être soufflé. Je suis ouais. capable de faire un footing, un foot, ouais. sans être carbo. Pour moi, en fait, y a l'épargne du mouvement, mais la capacité de travail, c'est aussi ça. C'est aussi le cardio, parce que ouais. ça va être très vite un facteur limitant. Tu parlais des courses, il faut la force pour porter les sacs, mais il faut le cardio pour les trimballer. Ben, c'est un peu le problème du crossfit où souvent soit t'as l'un et t'as pas l'autre, soit t'as l'autre et t'as pas l'un en fait. Ouais. Donc du coup dans les WOD classiques qu'ils mettent en place, soit tu vas avoir le mec qui est très fort et qui va avoir zéro cardio, soit tu vas avoir le gars qui a beaucoup de cardio mais qui va pas être fort. Mais dans tous les cas, le fait d'être fort, ouais. ça, enfin le fait d'être fort, comment dire du coup, le niveau de force. Ouais, le fait d'avoir un niveau de force haut te permet d'enchaîner des répétitions avec un poids qui est plutôt bas en fonction, ouais. évidemment. T'as 100 au squat, de faire du 20 kg au squat, ce sera plus facile pour toi qu'un mec qui a 60 au squat. Exactement, t'as 100 au squat, sauter sur une banque, ce sera plus facile pour toi. Comme dit Fred. Bien sûr, non, mais c'est clair. On a quand même pas mal parlé. Ouais, ouais. Est-ce que tu veux du coup présenter un peu le muscu chaud De fou. Donc moi, ce qui me plaît énormément, c'est le côté justement qu'il n'y a pas toujours dans la musculation. Convivial, le côté solidarité, j'aime pas m'entraîner seul à mes écouteurs, j'aime quand il y a le côté, tu sais, un peu qu'on a dans les sports collectifs, le côté groupe, ouais. l'élimination, se tirer tous vers le haut, ouais. tu vois. Et moi, en muscu chaud, en fait, j'ai amené le small group, donc en fait, je coach des gens entre 1 et 4 personnes, tout âge, tout horizon, tout pratique sportive. J'adapte les séances en fait en fonction de chacun, donc ce chiffre de 4, il est tiré de mon expérience. C'est-à-dire que j'ai cherché le plus grand volume en pouvoir individualiser les séances et faire en sorte, tu sais, que sur 1h, 1h15, ça tourne. Et du coup, voilà, on a commencé dans un garage, dans un jardin, avec de l'herbe trop haute et des barres de fer rouillées. Encore une fois, on a du coup cette similarité c'est dans ça. Le fait d'avoir commencé aussi en extérieur. Ben et tout, nos ouais. personal training, nos coaching perso, en fait, on les a commencé comme ça, tu vois. C'est ça. Et donc nous, maintenant, on loue à mairie, on a un petit studio de 50 mètres carrés, on a un espace extérieur de 400, on a tout ce qu'il faut pour bien bosser. D'accord. C'est dans des conditions un peu rustiques, mais c'est assumé. C'est-à-dire que quand moi, les gens, ils arrivent, je leur vends pas un confort. Je leur vends, par contre, un savoir-être et je leur vends justement des résultats atteignables. Bien. Si ça donne les moyens. Savoir faire aussi. Un savoir-être, que tu maîtrises. C'est ça. C'est-à-dire que, après, c'est vrai que ça fait un peu prétentieux et tout, mais non, je pense qu'il faut savoir. Je pense que des fois, la modestie, ça peut être de la malhonnêteté. C'est-à-dire exact. Que moi, je suis conscient de mes limites, j'ai encore beaucoup à apprendre. J'ai des modèles vers qui je tends, des gens qui m'inspirent au quotidien. Thibaudot, Pouliquen, même en France, voilà. Ludo Gavira, Fred Marcerou, c'est des influences très importantes pour moi. Et j'essaie de tendre vers eux, j'essaie d'aller vers eux. Mon coach en force, Anthony Graziani, il m'inspire, j'essaie d'aller vers lui. Mais après, je sais ce que je fais. Je sais que, tu sais, souvent, on dit aux jeunes coachs, il faut avoir conscience de la valeur de ce qu'on fait. Ils n'osent ouais. pas, ils ouais, ouais, pas ouais. dire. Moi, ouais. j'ai conscience de la valeur qu'on a. C'est vrai que des fois, tant que. Quand tu n'as pas encore eu d'expérience ou que tu n'as pas aidé une personne réellement et que tu as senti la différence et l'impact que tu as eu dans sa vie, tu n'as pas encore cette notion de ce que tu peux apporter à une personne. Ça, dans le livre, tu ne le trouves pas, c'est un vrai. Exactement, c'est l'expérience qui fait ça. Et quand tu changes une personne, qu'elle se transforme, qu'elle a créé une perte de poids, qu'elle a meilleure confiance en elle, qu'elle trouve l'amour, qu'elle arrive à trouver une personne. Putain, franchement, c'est trop cool. Utile, la personne qui a plus mal, qui a plus de douleur, qui passe sa vie avec meilleur confort. Enfin bref, toute sa vie, en fait, elle est impactée par une heure de ton temps, deux, trois fois d'un temps. La vie des gens, même après, ils sont plus efficaces dans leur travail. Même la force, ça permet de travailler sur des trucs que vous imaginez même pas. La capacité de concentration sur un lift, être là au moment présent. Et du coup, on essaie de faire ça. Voilà, on est à peu près 80, un peu moins de 90 c'est personnes. Bien, ça, ouais, pour un petit village comme 40, je suis assez fier. C'est bien. Ouais. Puis des volontés de grandir. Et comme voilà, ouais. aujourd'hui, Los Angeles, que j'adore ce nom déjà. C'est la petite note US, parce que j'aime beaucoup aller là-bas. Los Angeles, vacances. C'est muscu chaud compatible à fond. Parce ouais, voilà, c'est un peu le même délire. En vrai, c'est vrai, tu sais. Ça ressemble de fou. On a trouvé, sans le vouloir. Sans le vouloir, mais après, toi, c'est vraiment encore plus parce que c'est du personnel. C'est ouais, moi, je fais beaucoup de personal training. Ouais. Mais du coup, on se rejoint sur ça. Le matériel, il y a tout ce qu'il faut pour bien bosser. Tu peux t'y retrouver dans le même muscu chaud, tu vas retrouver plus ou moins le matériel. Bon, t'as plus de matos quand même, du coup, de ton côté. Est-ce que t'as une salle qui est plus grande, surface d'accueil plus grande? J'ai un peu épargné et tout.
Après, c'est pas fini, je vois encore d'autres choses. Mais là, par exemple, je regardais chez toi, tu vois, de voir pour faire le GHD la marque Poliquin, tu as une poulie de haute qualité, tu as une safety, tu as une trappe. Exact. Bon, bah, écoutez, merci à tous d'avoir regardé ou écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu, que vous avez appris pas mal de choses selon l'expérience de Martial, de la mienne aussi. Ça fut un plaisir de pouvoir partager avec Martial, de le recevoir du coup au Los Angeles Gym. Et j'espère que ce ne sera pas le dernier épisode, car j'ai pris beaucoup de plaisir du coup à parler avec toi. Moi aussi, Dodo, vraiment. Ça faisait un petit moment, moi, c'était pas vu. Non, c'est vrai, c'est mon premier podcast en plus. Donc, ça faisait combien de... Ça fait... 2016. Ouais. 2016-2017. Ah, ça fait 6-7 ans. Et puis, on a eu un parcours, voilà, pendant ces 6-7 ans. Et on se rejoint aujourd'hui avec la même idéologie dans l'entraînement, dans le fait de vouloir aider les gens et de... Exactement. Et de changer les mentalités sur ça. Voilà, c'est ça. Je te remercie de l'invitation. Je remercie les gens qui auront regardé, écouté. J'ai envie de dire un mot code, de la voir s'ils ont tenu la vidéo jusqu'à la fin, tu vois. Ouais, vas-y, dis-moi. Mettre en code, tu vois. Marquez Brigantich. Si vous marquez Brigantich. Brigantich. Et ça veut dire que vous avez regardé la vidéo en entier. En entier, et voilà. Et du coup, vous aurez tout mon respect et vous aurez droit à un bisou si vous venez voir. Mais ce que je fais un bisou aussi au Los Angeles. Vous inquiétez pas, du coup. Si vous faites les deux, vous avez deux bisous. Attendez, ça vaut le coup. Merci à tous. Merci les amis. Des allez, bisous. Bisous. Bon, c'était chouette. Franchement, mon gars, un régal de louer.